Karl n'était plus qu'à quelques centaines de mètres de son but lorsque le son de l'aviation française résonna dans le ciel d'Avril. Salut tout le monde, c'est Seven Happy Muffins et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 11e et ultime épisode de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Ça m'embête vraiment de vous dire ça, mais voilà, j'ai eu un problème pour le tournage de ce dernier épisode. Je l'ai tourné jusqu'au bout et en fait, quand j'ai voulu le monter, je me suis rendu compte tout simplement que Fraps n'avait enregistré que les 10 premières minutes parce que je n'avais plus d'espace sur mon disque dur. Donc voilà, c'est la honte absolue. Toute l'émotion que j'ai ressentie pour le tournage de ce dernier épisode, voilà, ça n'a pas été enregistré. Enfin, j'ai été idiote aussi, j'aurais dû garder le fichier audio, mais je l'ai jeté du coup. Et je retourne tout l'épisode maintenant. Donc voilà, j'ai quand même laissé passer quelques jours. Et là, honnêtement, rien que de démarrer le jeu, de réentendre l'introduction de ce sous-chapitre, j'ai eu des frissons, donc j'espère que l'émotion sera quand même là. Allez, on y va. C'est parti. Au moins, je devrais pas trop perdre de temps dans certains puzzles, vu que maintenant, je sais quoi faire. Dans cette maison en particulier, j'ai été bien bloquée. Voilà, la maison de la ferme d'Emile où vit Marie et son enfant, ça a été totalement. Comment t'as, Aaron ? Totalement assailli par le gaz. Heureusement, on a des masques, mais je suis quand même inquiète pour Marie et son fils Victor. Alors, toutou. Voilà, c'est mieux. On va descendre ça. Pourquoi ça veut pas ? Ah oui, il faut tourner, c'est vrai. Oh là là là. J'ai déjà perdu l'habitude des mouvements. Voilà. Allez, Waltz. Viens. Come here. Ok, je vois. Toutou reste ici. Tu vas m'aider. Pas mince alors. Ah, j'ai dû me tromper. Je pensais me souvenir qu'il fallait que j'aille par là. Je peux pas ? Bon bah, ça commence bien. Les souvenirs que j'ai gardés de l'épisode sont faux. Génial. Bon. Alors ça suffit pas d'utiliser la manette ? What ? Non, Walt, il va rester ici, j'ai besoin de lui en haut. C'est à moi de trouver ce qu'il faut que je fasse. Alors, l'échelle en haut n'est pas descendue. C'est moi qui dois la descendre. Bon. Alors, c'est peut-être que d'abord, je dois attendre un petit peu avant de la... Mais oui, ça y est, je me souviens. D'abord, je monte. C'est Toutou qui active la manette pour que je monte. Voilà. Moi, je vais là. Jusqu'à cette fenêtre. Bien. Ensuite, je descends ici. Il faudrait que Toutou redescende. Fasse redescendre la carrière. Faut d'abord que je remonte dessus, je pense. Là. Là. Toutou, réactive la manette, s'il te plaît. Oh non, me dis pas que tu peux pas, hein. Ok. Bon. Toutou. Réactive, s'il te plaît.
de loin, je peux pas lui faire activer le truc. Bon. Et de là-haut, il va pas vouloir... qu'elle soit à terre et que je sois derrière. What? Le truc, c'est que... quand elle est à terre, je peux pas atteindre cette échelle. Est-ce que je peux faire un truc genre vite fait, quelque chose? Hey, au froid, au froid. Voilà. Voilà, ensuite toutou. Tu vas là. Moi après je sais pas comment. Ah oui, c'est vrai. Après, je ramène ça là. Toutou reste bien en place, d'accord? Voilà. Et toutou, attends-moi, ne fais pas les choses en avance. Ramène-moi cette petite conserve. Vas-y. Voilà. C'est bien, mon chien. Good, Ayoha. Ensuite. Voilà. Une conserve explosive. Ensuite, la grange. Il faut que je puisse casser la fenêtre. Dépêchons-nous, toutou. J'arrive, Marie. Victor. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on aille dans l'autre pièce d'abord. Il n'y a pas... Ah si, voilà, je disais. Il n'y a pas une autre pièce, elle est là. Panier. Là. Toutou, je crois qu'il faut que tu y ailles. Là. Ensuite. Remonter. Sûr, après je crois que j'avais galéré. Il faut absolument que je trouve un moyen de casser la fenêtre. J'ai pas de petits projectiles à ramasser. Bon, tout reste là. Il faut que je trouve un projectile. Cette fenêtre. Toutou, normalement, tu dois pouvoir descendre. Ah oui, voilà, par là. Il y a des projectiles. Ok, j'ai vu que Victor avait un masque à gaz, mais Marie n'en a pas. Bah, Toutou, mais... Bon bah toutou, on recommence, hein, que veux-tu? Tu n'étais pas censé... Je n'étais pas censé te téléporter, mon toutou. Voilà. Voilà, comme ça, tu sauras où aller, toutou. Je comprends que le masque, ça ne... Ça ne lui permet pas de voir à travers le gaz, ça lui permet simplement de respirer. Viens, toutou. Grimpe. Voilà.
Tu es prêt, Toutou? On commence opération de collaboration. Vas-y. Ok, Toutou. Actionne ce levier. Je sais plus ce que je dois faire ici. Tu vois quelque chose, Toutou? Non? Alors, réactive. Voilà. Ensuite, je réactive encore. Voilà. Ok, on y est presque. J'arrive. Si elle crie, c'est qu'elle peut encore respirer. Mais le truc, c'est que si elle ouvre la bouche comme ça, elle va s'étouffer. Il n'y a rien à faire ici. Tout s'écroule. Dépêchons-nous. J'arrive. Ne pleure pas. Je suis là. Marie. Non. Voilà. Respire. Carl, non. Ne parle pas. Avec moi, Marie, tiens-moi, reste avec moi, Marie. Ah oui, Jeff, Marie. Il y a un obstacle. Marie. Avril 1917. Émile était toujours malade. Mais le général avait besoin de tous les hommes qui pouvaient tenir debout pour lancer sa grande offensive. C'était encore une fois la bataille qui devait mettre un terme à cette guerre. Ok. Réunir 3 clampins. Allez! Il faut qu'on y aille. Bien! Bien! Voilà! Ce sous-chapitre est assez long. Et honnêtement, ce qui nous attend ne va pas être joyeux. C'est la première fois qu'on voit vraiment du sang dans le jeu. À chaque fois, les blessés, ils tombaient, mais voilà, on les voyait pas, on voyait pas du sang. Et là, vraiment, on le voit, quoi. Et comme tout est sombre, tout est noir, blanc, enfin, plutôt noir, gris, il se détache particulièrement, quoi. Et voilà, quoi. Évidemment, ça doit être un choix volontaire de mise en scène. Et voilà, il y a seulement le rouge de la dynamite et le rouge du sang qui se détache particulièrement. Toujours avancer. Toujours avancer et toujours mourir. Thank you.
vais oublier ça. Reste à plus que deux. Et pourquoi tu n'y vas pas le premier, toi? Aïe! Il m'a assommé. On ne peut pas... échapper à cette guerre. C'est vraiment toujours avancer, jusqu'à mourir. Ah mince, je dois le sortir de là. Oui, bah une minute, je vais pas mourir. La mort partout. Ils arrêtent pas de mourir tous. Oh non. Alors là, c'est le passage où je sais qu'il faut que j'utilise mon clavier. Je l'ai prévu à côté de moi. C'est parfait. Alors, il faut juste que j'enchaîne manette. Ok, on y va les gars. Impossible cette guerre. C'est vraiment la bataille la plus triste du jeu. On s'en sort vraiment de justesse. N'avancez pas, les gars. Prudent, on peut s'en sortir. Attendez. Parce que là, ça va être le moment difficile avec l'appel. Je me prépare. Il va falloir faire super vite. Ok. Maintenant. Non, pas maintenant. Ah, je me suis plantée. Si, c'est maintenant, c'est bien maintenant. C'est moins difficile que dans mon souvenir. Qu'est-ce que je l'ai recommencé, ce truc? Ah, déjà, on est déjà arrivé à la pile de cadavres. Parfait. Okay.
a vu que je pouvais me cacher derrière, derrière une autre pile de cadavres. Les prendre d'avance. Je fais un peu vite. Du calme, on prend son temps. Tout va bien. Tout va bien. Façon de parler. Hein. C'est juste que j'ai toujours du mal à monter ces marches et du coup j'ai toujours peur de manquer de temps. Qu'est-ce que ça m'a fait peur? Non! Non! Ah là là, je pense que ce jeu, il faut vraiment le faire des dizaines de fois pour avant de pouvoir bien enregistrer les attaques et tout, comment elles se passent. Du coup, voilà, je l'ai fait qu'une seule fois et facilement, ça me surprend. Ok. On recule, ok. Non! Oh non, c'est notre deuxième ami. Oui, j'y vais, une minute. On y va, on avance. On va bien finir par y arriver. Enfin... tellement cerné que comment on va s'en sortir. N'avancez pas, on y va. Non, Émile, moi je crois que vraiment je pourrais pas survivre en soldat, parce que je voudrais absolument aller vite et tout, atteindre l'objectif. Les jeux de guerre, tout ça, Call of Duty, machin truc, tout ça, c'est pas pour moi. J'ai pas la patience. Bon sang, laissez-nous tranquille. Non. Attendez. Ah, oh non, c'était ça le truc chiant où faut aller vite. Ouais, je pensais en avoir fini avec ma pelle, mais non, c'est ce passage-là où tout va vite. Les obus pleuvent et moi je... Non, en diagonale, en bas. En haut. Non, mes doigts ont glissé sur le clavier. En bas. J'étais pas assez en bas. Bon bah voilà, on est parti pour quelques minutes. En bas. Gauche. Il faut remonter. Il faut redescendre. Il faut remonter. Ok les mecs, on y est presque. Ça s'éclaircit. Non. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Tout est en ruine, en flammes. Il nous faut un abri. On est dans la pente.
On accélère. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois pousser? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je vois pas ce que je dois faire. Je me souviens plus. Ah, voilà. Ah oui, mince. Oh, je me souviens. Stop. Allons-y. Stop. On y va. Stop. Et là, normalement, il est censé me toucher. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Allez, on recommence. Je vais y arriver. Ok. Stop. On y va. C'est bon. Allez, viens, on y va. Non ! Émile ! J'avais oublié ça. Et il s'arrête sans même... carrément en l'air. Il le menace avec une arme. J'avais pas vu ça dans ma première partie. Bon sang. Mince. Vous l'avez forcé à mourir. J'avais pas laissé faire ça la dernière fois. Je vous laisserai pas tuer d'autres personnes. L'officier mourut sur le coup. L'offensive Nivelle fut un bain de sang, une boucherie. Les mutineries éclatèrent dans les divisions d'infanterie françaises et l'offensive fut abandonnée. Émile, emprisonné avec d'autres mutins, attendait son passage devant la cour martiale. Je vais pas laisser cet homme mourir la dernière fois. Fidèle parmi les fidèles, les chiens de guerre partagèrent le destin de nombreux soldats. Messagers, ambulanciers, démineurs... Ces chiens ne reculaient devant aucun sacrifice pour accomplir leur devoir. Vas-y, toutou. Là, c'est tout ce qu'on a traversé. Ok, Marie va bien. Elle n'a même plus le masque à gaz que... Marie, tu t'en fiches que ton mari soit à moitié mourant? Non, mais attendez, j'ai pas eu le temps de... Non. Allez, Carla.
aller, allez. Tiens bon, tiens bon. Oh. Allez, quoi, j'ai... Allez, Carl. Ah, le jeu rame et j'ai du mal. Allez, Carl. Allez. Non, Carl. Allez. Tu vas t'en sortir, tiens bon. À l'hôpital. Victor, je m'occupe de ton père. Vas-y. Allez, Carl. Carl, tu n'as pas fait tout ce chemin pour mourir à Saint-Miel quand même. Carl, viens bon. Ça va aller, allez. Allez, Carl. Allez, Carl. Carl, viens bon. Ça va aller, allez. Faudra m'expliquer à quel moment on lui a tiré dessus, hein. C'est bon. Ok, il faut une trousse de secours. Elle est pas très loin, mais c'est un vrai labyrinthe ici. Ok. Elle serait par là. Chut. Je déconne. Peut-être ici. Commencez pas à me faire courir à droite à gauche. Hein. Si, non. Elle est où? Je viens d'où, moi? Je viens de là. Donc, quand elle a montré la flèche, elle voulait peut-être dire en bas. Mais en bas, c'est là où il y a Carl. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ils sont en train de me faire tourner en bourrique. J'ai réussi la dernière fois et si ça tombe là, je vais perdre. À cause de leurs conseils débiles. Non, mais je vois pas. Okay. Attends. Il y avait une armoire. Ici? Non. Pas que j'oublie fouiller toutes les armoires. Où est-elle? Vous n'êtes pas en train de me raconter des salades, j'espère. Carl, tiens bon. Je sais que ces infirmières me font tourner en bourrique, mais... Ok, en bas. Presque, Carl. Elle est là, en bas. Oh, bon sang. Ok. Le jeu, arrête de ramer, je t'en prie. Carl, où es-tu? Maintenant, il faut retrouver Carl. Non. Il est juste là, je peux le faire. Tiens bon, Carl, je suis juste là, ok? Carl... Non! Sort des bandages, hein, allez, pour une intoxication au gaz. Allez, Roger. Tiens bon. Voilà, tiens. Allez, Carl. Carl, tiens bon. Allez, Carl. Allez, Carl. Carl, tiens bon. Voilà, tiens. Allez, c'est presque fini. Allez. Ça va aller. Tiens bon. Allez, Carl. Allez, quoi, allez. Allez, Carl. Voilà, tiens. Oh. Tiens bon. Ça va aller, allez. Allez, quoi,
Allez. Tiens bon, tiens bon. Oui, je crois qu'il est sauvé. Tout va bien se passer. J'en ai des frissons. Un regard de son fils suffit à Carl pour oublier ses 3 années de guerre et d'exil. Je pense que c'est pour ça que Victor est le seul à avoir des yeux dans ce jeu. Pour pouvoir regarder son père. Après des semaines sans nouvelles d'Emile, Marie finit par recevoir une lettre de son père. Émile Chaillon. Oui. Cette musique. Le 12 juin 1917. C'est l'heure. Ouais, c'est le moment. Ma très chère Marie, la guerre pour moi est finie. Mais je n'ai aucun regret, j'y ai vu trop d'horreur. Je prie pour que le destin ait été plus clément envers toi. Notre passage sur Terre est bref. Je remercie le ciel de toutes les joies et de tous les bonheurs que le destin m'a apportés. Ma vie a été belle et bien remplie. Cette lettre sera ma dernière. Je vis mes dernières heures, et seul un miracle pourrait encore me sauver. Freddy, merci mon ami. La cour martiale m'a tenu coupable de la mort d'un officier. Je n'avais pas l'intention de le tuer. La guerre rend fou les hommes. J'ai rempli mon devoir, j'ai tenu mon rang pour la France. Tu n'as pas à avoir honte de mes actions. Anna. Mon plus grand regret, alors que je vais quitter ce monde, est de n'avoir pu tenir ma promesse de ramener Carl vivant. Mais si, Emile. J'espère que tu trouveras la force de me pardonner et que Dieu voudra bien, puisqu'il nous sépare sur cette terre, nous réunir au ciel. Ne m'oublie pas dans tes prières. Si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leur sacrifice continue de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier.
Et voilà les amis, c'était Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. J'espère que vous avez aimé ce dernier épisode et ce jeu en général. Voilà, donc au final, ça a quand même réussi à m'émouvoir ce deuxième tournage de fin de série. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai vraiment aimé ce jeu. Je trouve que la réalisation est vraiment très bonne. Les graphismes sont très beaux. Les mini-jeux, je ne les ai pas trouvés répétitifs parce qu'en fait, on alterne tellement entre les personnages que je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le dernier sous-chapitre de guerre, la première fois que je l'ai tourné, je l'ai trouvé longue comme scène. Là, comme je savais tout le chemin et tout, ça ne m'a pas semblé long du tout. Mais je pense que de toute façon, si c'est une scène longue, je pense que c'est volontaire parce que c'est la dernière scène de guerre et c'est pour nous montrer que vraiment cette guerre était interminable et a fait beaucoup de morts. Donc voilà, j'ai été ravie de jouer à ce jeu, de pouvoir, on va dire, rendre un tout petit hommage à ma façon aux personnes qui ont combattu dans les deux camps, en fait, pendant la guerre 14-18. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre pour ce jeu. Insatiable. La guerre n'en avait pas encore terminé avec les hommes. Son appétit était sans limite. Donc, pour terminer sur une note positive, je vais vous parler de la prochaine série. Ce sera un RPG sorti dans les années 90, donc un petit peu vieux, mais auquel j'ai vraiment beaucoup aimé jouer. C'est un RPG culte pour pas mal de gens, en fait. Je sais pas, est-ce que je dois d'avance vous révéler le nom? Je pense que c'est mieux d'attendre la diffusion du premier épisode. Vous aurez alors l'occasion de découvrir de quoi il s'agit. En tout cas, le premier épisode est déjà tourné. Et voilà. Donc la série, pour moi, est officiellement lancée. J'espère que cette nouvelle série vous plaira. En tout cas, je pense que oui, quand même. Parce que c'est un jeu qui est assez populaire. Donc je pense qu'il saura trouver sans problème son public. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la fin des crédits. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut !